Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Comme nous le savons tous, nous vivons actuellement les temps de la fin et une nouvelle étape vient d'être franchie, ce qui m'oblige à changer ma façon de faire au niveau des vidéos et de changer ma méthode d'enregistrement. Donc, par avance, je m'excuse pour les petites imperfections qu'il y aurait au niveau de la vidéo. Donc là, nous venons de passer une nouvelle étape, comme je le disais, au niveau de la puce sous-cutanée. Et une émission qui est passée sur France Info le 4 septembre 2023, parle de ce sujet. Donc je vais vous partager l'émission qui dure environ 2 minutes. Et puis après, ben, je vous reprendrai pour vous donner de plus amples explications par rapport aux Écritures. Allez, à tout de suite. France Info. C'est l'heure de notre rendez-vous consacré à l'innovation, à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est demain. Bonjour Anis Mbida. Bonjour Aurélien, bonjour Claire. Une étape vient donc d'être franchie avec les puces implantées sous la peau. Bientôt, plus besoin de sortir avec ses clés ou son portefeuille. On pourra démarrer sa voiture, payer ou même décliner son identité d'un simple geste de la main. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la polémique quand une entreprise a proposé à ses employés de leur implanter la puce du badge d'accès directement sous la peau. Hein, comme ça, plus personne ne pouvait les perdre. Eh bien, on va pouvoir aller encore plus loin car les nouvelles puces peuvent désormais gérer des protocoles de sécurité extrêmement pointu. Avant, c'était de simples transpondeurs, hein, comme ceux des badges de parking, mais maintenant, on leur a ajouté de l'intelligence et des fonctions de cryptage, ce qui leur permet eh bien, de remplacer les cartes bancaires, les clés de voiture, les serrures connectées et même un passeport biométrique ou une carte vitale. Ça veut dire que vous pourriez être totalement nu et quand même capable d'ouvrir la porte de chez vous, de payer, vous l'avez dit, hein, de démarrer une voiture. C'est ce que proposent désormais des sociétés comme VivoKey ou Wellmore. Vous greffez une puce sous la peau du dos de la main pour en finir avec les oublis et autres pickpockets. Mais le problème, c'est que maintenant, on va nous couper la main au lieu de nous voler simplement le porte-clés ou le portefeuille. Vous dites ça parce que vous regardez trop de films de science-fiction. Non, non. Alors oui, en théorie, évidemment, c'est possible. Hein, mais regardez, vous déverrouillez sans problème votre téléphone portable avec votre visage ou avec vos empreintes digitales. Hein, et vous n'imaginez pas qu'on va vous couper la main ou la tête pour vous piquer des informations. Et pourtant, votre téléphone permet déjà de payer, de démarrer une voiture ou d'ouvrir des serrures. Eh bien, avec une puce sous la peau, ça sera encore plus pratique puisque c'est invisible et qu'il n'y a plus rien à transporter maintenant. Vous avez l'air extrêmement enthousiaste, Anissé. Est-ce que vous seriez prêt, vous, à vous mettre une puce sous la peau? Non, 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 non. Moi, je suis juste l'avocat du diable. J'ai déjà peur des tatouages, des piercings. Alors, une puce sous la peau. Et pourtant, c'est parfaitement fiable, c'est totalement sûr. Ça fait la taille d'un petit grain de riz. Ça fait des années qu'on en implante aux chiens pour les identifier. Mais ça prouve qu'une technologie ne doit pas simplement être pratique. Elle doit aussi être acceptée socialement et culturellement. Vous savez, il y a quelques années, on trouvait parfaitement ridicule de payer avec son téléphone portable. Qui sait, bah peut-être que demain, on trouvera ça génial de payer avec le dos de la main. Merci Anis Mbida. Aujourd'hui, c'est demain, c'est tous les jours dans France Info Petit Matin. Alors, pourquoi cette interview est-elle importante? Tout simplement parce que, comme ils le disent, une étape est franchie. Alors, je ne dis pas que cette micro-puce sera la marque de la bête, mais dans cette interview, tout est dit quand même. Il nous parle de la polémique qu'il y a eu au sujet de ce type de technologie, où des gens s'y sont opposés et ne l'ont pas voulu. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'elle doit être aussi acceptée socialement et culturellement. Ce qu'on trouvait ridicule de payer par son téléphone, maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Alors moi, je m'en sers pas, mais d'autres s'en servent très facilement et ils font accepter petit à petit cette marque. Et quelque part, c'est de la séduction, tout comme dans Apocalypse 13, au verset 14, on nous dit que la bête séduisait les habitants de la terre. Par les prodiges qu'elle opérait, bien sûr. Mais cette façon de faire accepter socialement et culturellement un moyen de paiement fait rentrer dans les gens une facilité d'accepter plus tard la véritable marque de la bête. Car on voit bien que
elle sera ou dans la main droite ou sur le front. Et comme par hasard, les Chinois, avec la reconnaissance faciale, réalisent aussi des paiements avec l'image de leur visage. Et ce qui est acquis par les populations seront déployés plus facilement lorsque l'avènement de la bête sera là. Bien sûr, certaines personnes y seront opposées. Si malheureusement nous sommes encore là, je pense qu'une majorité de chrétiens y sera opposée. Et il faut bien garder en tête que même si la marque de la bête sera quand même avant tout une marque spirituelle, le fait de conditionner les gens, de les mettre pas sur le fait accompli, parce que sinon ils se révoltent, mais de leur faire accepter petit à petit. Regardez, les puces RFID, depuis des années, on les insère dans le corps de nos animaux pour les localiser, enfin pour éviter que on le vole ou quoi que ce soit, et l'identification se fait par un lecteur. Donc, pour les gens maintenant, c'est quelque chose qui est normal. Si on dit à quelqu'un « je vais faire tatouer mon chien », on va dire « non, maintenant on fait plus ça, on fait avec la puce ». Pour les hommes, ça sera pareil. Ils préparent tout de manière à ce que lorsque l'antéchrist arrivera, il n'aura plus qu'à s'asseoir et à utiliser tous les outils que ses disciples lui auront préparés. Regardez le gouvernement mondial. On a l'ONU. L'ONU est en place et opérationnelle. On a l'OMS qui est aussi opérationnelle. Et les régions de la Terre, les pays, sont déjà découpés en 10 régions. Tout comme les 10 royaumes représentés par les 10 diadèmes qui sont sur les 10 cornes des 7 têtes de la bête. Donc voilà, il n'aura plus qu'à s'installer, à prendre les commandes et à faire tout ce qu'il doit faire, tel que c'est décrit dans l'Apocalypse. De même, avec l'intelligence artificielle, on voit bien que le verset 15 d'Apocalypse 13, « Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle. » Et qu'est-ce qu'on voit avec ChatGPT et puis avec d'autres systèmes d'intelligence artificielle? C'est que l'on donne la parole à quelque chose qui est immatériel. Et lorsqu'on pose la question à cette chose, qu'est-ce que Dieu pour toi? Je vous laisse faire la recherche et vous verrez, vous serez surpris. Malgré ce côté alarmiste, il y a quelque chose de réjouissant dans tout ça. Ça veut dire que le retour de notre Seigneur est proche et que le retour du royaume des cieux est proche. Le Seigneur est à la porte et bientôt sur le point d'arriver. Donc, le festin des noces de l'agneau va pas tarder à commencer. C'est pour ça que tout le monde doit se tenir prêt. Tous ceux qui ne sont pas encore tournés vers Dieu, je les invite vraiment à se repentir du plus profond de leur cœur et à reconnaître notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ comme le seul chemin qui mène à Dieu. Car il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au Père que par lui. Et les religions d'hommes, quelles qu'elles soient, font tout pour effacer ça et se mettre en avant à la place de Dieu. Donc je vais arrêter là la vidéo parce que le but n'est pas de faire des vidéos qui durent non plus trois quarts d'heure. Mais si ce format vous convient ou si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez que j'aborde dans ce genre de vidéo, je vous invite à me les laisser en commentaire ou à me les envoyer de manière à ce que, avec l'aide du Saint-Esprit et de notre Bible à tous, je puisse vous apporter des réponses claires et concises. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Soyez abondamment bénis et à bientôt. Celui qui rend témoignage de ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Oui, Seigneur Jésus, viens. » La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.